questions. On a 15 minutes. Allez-y, levez-vous. Bonsoir, Hugo. Bonsoir. Moi j'ai beaucoup d'amour, comme j'ai dit. Moi j'ai grandi avec des parents qui n'avaient rien. J'avais que l'amour à me donner. Et voilà pourquoi ça se ressent dans ma musique, dans ma vie. L'amour c'est la base de tout, même si on peut être pauvre, on peut être d'un quartier difficile ou autre. Mais avec l'amour, c'est la seule chose qui te permet de rester debout. Deuxième question. Oui. Salut. J'aimerais savoir où on est sur les musiques pour avancer. Si, si, on est toujours ensemble. Je suis avec Dimoiseau, c'est devenu avec moi. On est toujours en bonne relation. Et puis, il nous reste un album encore à produire dans le contrat. Et on est toujours ensemble, sauf que chacun est dans cette solo. Et la suite, tu as fait feat avec nous dans l'album-là de l'amour à la haine. Non, de la haine à l'amour, on n'y a pas de feat avec nous. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Tout va très bien accueilli. Moi ici, je suis chez moi. Voilà, je suis d'origine congolaise, tout le monde le sait, mais j'ai choisi de tourner mon clip à Abidjan. C'est pour montrer qu'ici, c'est chez moi. Je crois que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des premiers pays que j'ai découvert en Afrique. En 2014, en 2015. Voilà, je suis à la maison et voilà, à l'aéroport, c'est bien, mais tout le monde. Bon accueil, tout se passe super bien. C'est vraiment la terre d'accueil, comme on dit. Je suis content d'être là. Ok, une autre question, s'il vous plaît. Une dernière question. Oui. Oui. Bonjour, Hiro. C'est 400 de Rap Ivoire. Je voudrais savoir si tu étais tenté par l'idée de changer de style musical afin t'orienter vers d'autres voies plutôt que celles que tu suis actuellement. Non, moi je fais du Hiro, comme aussi du Kofi, comme Arafat fait du Arafat, comme Soumi fait du Soumi. Voilà, moi si je fais du Hiro, c'est ma musique, c'est comme ça que j'aperçois. Voilà, en même temps d'écouter l'album, dans l'album, il y a divers styles musicaux, mais toujours avec ma touche. De la musique comme ça. La dernière question. Pourquoi une carrière solo? Mais parce que en groupe, des fois c'est difficile, t'as envie de parler d'autre chose, t'as envie de parler de toi, un peu plus de toi, t'as envie d'avoir un peu plus de liberté artistique. Et je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose. Voilà pourquoi cette carrière solo. Une photo pour la presse.